Non, ne touche plus, ne touche plus. Voilà, voilà, voilà. C'est ça. D'accord. Bébé, je t'ai dit que ma maison sera prête. Elle sera prête. Non, tu peux pas faire ça. Ok, on y va. Non, 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 ce ne sont pas les règles. Tu ne comptes pas, bébé. D'accord. Merci. Ah, merci. Merci. C'est ton tour. Joue. Mais je vais te laisser gagner. Mais non, joue. C'est ça. Tu triches, vas-y, joue. D'accord. D'accord. Tu as joué. Et tu vois. Dans ce Allez, cas, c'est. C'est. Oui, non, c'est pour moi, c'est pour moi. Continue. Ah, comment tu fais ça? Oui. D'accord, tu peux jouer. Il n'y a pas un autre moyen. Oui, je joue alors, je vois. Allez. joue. D'accord. C'est super, merci. C'est super délicieux. Et parce que tu as bien fait la cuisine. Allez, vas-y, avale. Voilà, tiens. Combien de temps ça t'a pris pour faire ce repas? Parce qu'il est délicieux comme toi. Oh oui, c'est vraiment... Ouais, je t'assure. S'il te plaît, vraiment délicieux. Ou alors t'étais trop affamé et du coup il fallait que tu fasses une autre chose. J'en veux pas. Non, c'est bon pour moi. Oui. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, merci. Alors? Alors comme ça tu m'observes. Tu peux essayer toi-même. Arrête. Tu sais, à l'université, j'avais une camarade. Elle aimait faire ce genre de choses. Parler quand elle mange. Ça va. Arrête, ça va. Arrête, et ça lui sortait toujours par les narines. Oui. Je t'assure. À chaque fois qu'on est à table, tu me la rappelles. Oui.
Oh, tu as bien hâté. Tu as bien hâté ça. Ok, je suis en train de... Oh, c'est bien. Il faut bien tisser le débat. Salut. Oh, madame. Hé, hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que tout va bien. Ça va. Donc tu pousses encore? Ah oui, ma soeur, nous attendons de bons moments. D'accord. Et ta tête, tu ne veux pas venir te coiffer avant d'accoucher? Je vais le faire. J'ai pensé le faire même lundi. Alors? Je suis venue ici pour quelque chose de très important. D'accord. Te rappelles-tu de ma soeur, celle avec laquelle je suis venue le mois dernier? Oh oui, la géante est noire. Oui. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Elle a eu un souci avec le concours qu'elle a fait. Diam est en train de la déranger. Oh. Ton mari et moi avons décidé qu'elle puisse apprendre quelque chose. Je sais combien la beauté domine le monde. Et vu la magie que tu fais avec tes doigts, j'ai pensé qu'il était sage de l'amener ici. Dis-moi combien ça va coûter. Oh, tu dois d'abord lui demander de venir ici. Elle doit apprendre pendant un mois ou deux mois. Laisse-moi connaître le domaine dans lequel elle s'en sort. Avant que je ne sache comment vous donner ma facture. Ok. Oui. Donc elle doit faire ses preuves avant que nous puissions s'accorder. Je dois connaître ce qu'elle peut faire. Je ne peux pas te facturer sur un domaine et pourtant elle sera bonne dans un autre domaine. Donc je dois voir ce qu'elle peut faire avant de te dire. Un mois ou deux. Mais je pense que ces un mois ou ces deux mois ne seront pas un gaspillage. Non, pas à cet endroit, tu le sais. Ah, je te fais confiance. Bien. Alors, je vais devoir partir. Oh, d'accord. Fais en sorte que tu viennes te coiffer avant que tu n'accouches. T'inquiète pas. Bien sûr. Est-ce un autre endroit où je me coiffe? Je sais que tu es la meilleure. Ok, prends soin de toi. Je t'attends. Très bien. Bye. L'autre fille a dit qu'elle veut sa greffe pour demain. Demain? Ceci? Oui, c'est déjà prêt. Oh, d'accord. Ce n'est pas ceci, mais où se trouve l'autre? C'est là-bas. Ok. Ma mère à moi. Mon enfant est revenu du pays des flammes. Les enfants qui m'ont amené à l'étranger. Maman. Hey. Ah, regarde-toi. Comment vous me regardez comme tu ça? Tu es très jolie. Merci. Oh. Bienvenue. Oh. Bienvenue. Maman. Bienvenue. C'est hein. Hey. Soyez la bienvenue. Hey, la fille là-haut. Donne-le-lui. Vous m'avez apporté du pain. Merci, allons à l'intérieur. C'est bon, allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Par ici. On y est, t'as vu? Les enfants. Hey! Hey! Maman! Mais maman! Mais juste enfant! Pas de quoi, mes enfants. Faites attention là. Mais il fait la porte. Ibinaba, maman, je t'ai appelée pour te poser cette simple question. Au moment où on entrait à l'intérieur, j'ai remarqué que ton ventre était aussi plat que lorsque on t'a épousée. Je vais te poser une question. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Hein? Tu ne comprends pas ce que je dis? Hey! Je suis dans les problèmes. Tu ne comprends pas? Non, maman. Tu ne comprends pas ce que je dis? Alors, ça veut dire que tu aimes quand ton ventre est plat? Tu ne me comprends pas. Ce que je dis, c'est que pourquoi tu n'es pas encore enceinte? Comme tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas toujours parce que tu es une fille de Calabar? Donc, mon fils ne t'a pas appris à parler beau? J'apprends doucement. Tu apprends petit à petit. Bien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un bébé à l'intérieur? Oh, maman, ça. Maman, nous attendons le temps de Dieu.
Nous attendons encore le temps de Dieu. Nous espérons encore en Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Celui qui est en haut? Si c'était comme à notre temps. Ici. Quand ça tue seulement ici, je suis enceinte. Alors, quel est ton problème? Pourquoi tu ne veux pas concevoir de mon fils? Mon fils est le seul héritier de cette concession. Et tu essaies de me dire des sottises. Tu espères au Seigneur, celui qui est en haut? Tu espères en lui? Tu voudrais qu'il descende pour faire le travail à ta place? Alors que tu es avec mon fils, laisse-moi te conseiller, oh. Je ne peux que te conseiller comme une bonne mère que je suis. J'ai remarqué que ta petite sœur-ci est déjà une grande fille. Hein? Je me rappelle quand nous t'avons épousée, elle n'était qu'une petite fille. Mais maintenant, elle est déjà une grande fille. Je vais te conseiller, soit tu prends ta petite sœur-ci, donne-la à mon fils. Comme ça, elle pourra concevoir pour mon fils. C'est pour ton bien, oh. Soit tu cherches une meilleure de tes copines qui viendra le faire. Sinon, je le ferai moi-même, oh. Je te conseille, comme je te l'ai déjà dit. En notre temps, quand ça touchait là comme ça, oups, ça entrait. Vous, vous autres, à nos jours, vous êtes habitués à racler, verser dans la rigole. Alors quand tu te maries, tu ne conçois plus. Quand tu ne faisais qu'enlever, sans contrôle, enlever n'importe comment, sans vérifier. Hein? Maman, comment tu peux? Est-ce que tu t'entends parler? Comment une femme sensée peut donner une femme à son mari et en plus ma soeur? Eh oh, Okama, tu es sensible. Ah non, tu n'es pas sensible. Ça, c'est le sens de l'anglais. Donc, je ne suis pas sensible. Maman, je n'ai pas dit. J'ai dit comment une femme sensée peut non, donner... je ne suis pas sensible. D'une manière indirecte, tu m'as dit que je suis insensible. Même maman, si je ne suis pas là à l'école, j'ai compris. Maman, c'est pas comme ça. On s'est marié, ça fait 3 ans. Hey! Tu es devant le véhicule. Qui est là? Tu es mariée seulement depuis 3 ans. Tu as dit que seulement 3 ans. 3 ans n'est pas 3 jours. Est-ce que tu me comprends? 3 ans n'est pas 3 jours et ce n'est pas 3 semaines. Je veux seulement te conseiller une fois de plus. Sinon, je le ferai moi-même. Soit tu fais l'enfant, les enfants, ou alors tu donnes ta petite sœur à mon fils. Ou tu vas chercher une très bonne amie à toi pour le faire. Sinon, je le ferai moi-même. Bagam. Tu t'en fous de moi. Tu t'en fous de moi. Pascal, mon fils. Je ne suis pas contente. Ah, quel est le problème? Je ne suis pas du tout contente. À qui dit merci? Pascal, dis-moi. J'ai remarqué que le ventre de ta femme est toujours plat. Pascal, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'enceintes pas ta femme? Maman, s'il te plaît, pas encore. Pas maintenant, hein? Pas maintenant, allez. Petit, dis pas maintenant, pas Nous sommes venus ici juste pour rester avec toi, pour être... Dis donc, tais-toi, tu es venu dans ce village, on parle des choses importantes. Non, je dois te parler. Écoute que je te dise. Oh... Pourquoi? La mort, pourquoi? Si c'était quand ton père... Oh, il faisait... à notre temps. C'est seulement ici. Quand il tue ici, ça entre. Ton père est mort immédiatement après que je t'ai donné naissance. Combien je souhaite qu'il soit en vie aujourd'hui pour voir ce que je vois. Tu n'allais pas être le seul enfant? Parce que, comme je te l'ai déjà dit, dès qu'il met ça entre, c'est l'enfant. Hein? Alors, qu'est-ce que tu essaies de me dire que depuis ce moment-là, 3 ans maintenant, n'est-ce pas 3 ans, ta femme n'est pas enceinte et tu me dis ce que je ne voudrais pas entendre. Maman, juste 3 ans. Il y a des gens qui sont mariés depuis 10 ans, 50 ans, sans aucun problème. Et pourquoi est-ce que pour nous devrait être un problème? Je ne crois pas que ce soit nécessaire que tu commences à nous mettre la pression. Nous sommes venus ici juste pour les fêtes de Noël. Pour que tu prennes soin de tes enfants, nous sommes venus pour nous amuser et pour rester avec toi. Il faut que tu sois un peu... Ma femme n'est plus à l'aise depuis que tu lui as parlé de ça. Si tu continues, on ne sera pas capable de rester. Hein, maman?
Qui est devant le véhicule? Il n'y a personne. Qui est devant la voiture? Il n'y a personne. Je l'ai dit, il parle comme sa femme inutile. Il résonne comme quelqu'un qui n'a pas de réseau. Merci. Alors, 3 ans n'est pas suffisant. Maman... 3 ans n'est pas 3 jours. C'est non plus 3 semaines. Écoute, une femme qui n'a jamais eu même un simple avortement, ça veut dire qu'elle est stérile. Non, maman, ma femme n'est pas stérile. Ta femme est ma stérile. Ma femme n'est pas stérile. Elle est stérile. Elle est stérile. Assaut-toi ici, écoute, tu es fou. Je t'ai accouché. Tu es fou. Je suis ta mère. N'appelle plus ma femme stérile. Je dois l'appeler. Elle n'est pas stérile, maman. Si elle n'est pas je ne veux pas que tu le parles comme ça. Peux-tu imaginer 3 bonnes années, 3 années comme ça, sans enfant. Regarde, regarde celle qui venait d'arriver. Regarde, elle vient d'accoucher. Et c'est ce qui venait aussi d'arriver dans cette concession. Elle est enceinte. Hein? Comment tu ne cherches même pas à savoir pourquoi elle n'a même pas un avortement, simple avortement? Ou alors, où est-ce que tu veux souvent ces choses qui font concevoir? Est-ce que tu veux dedans? Maman, ne la mets pas sous pression. Quelle pression? Je te donnerai des petits-enfants. Vous allez me donner les petits-enfants quand je serai dans ma tombe? Oui, quand je serai maman, dans ma tombe. Maman, tu ne mourras pas d'ici tôt. Je ne mourrai pas bientôt. Es-tu Dieu? C'est toi Dieu? Non. Maman. Non, dis-moi, tu es Dieu. Tu auras les petits-enfants. Tu vas me donner un enfant. Qu'est-ce que tu dis même? Hein? Regarde ce qu'on appelle la mère d'Ngozi. Mais ta femme, elle a tout enlevé. Elle a tout enlevé. Seulement que tu ne veux pas entendre hey, ça. Maman, c'est maman, filles écoute, qui sont si têtues. Maman, ma femme n'est pas de Calabar. Elle est de Baïssa. Hein? Qu'elle soit de Calabar ou de n'importe où, c'est la même chose. Mais n'est-ce pas, elle était supposée être Calabar? Tout ça, c'est la même chose. Ça, ce ne sont pas mes affaires maintenant. Mon problème, c'est, je veux te conseiller. Tu vois sa petite sœur. Quand nous avons épousé Obinabo, sa petite sœur était très petite. Maintenant, déjà une grande fille. Est-ce que tu la touches? Maman. Je voudrais savoir si tu la touches. Maman. Non, ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Ce que j'essaie de dire, c'est que si tu la touches un peu partout, de part et d'autre, avant que tu ne te rendes compte, elle sera enceinte. Si tu la touches, elle va concevoir. Regarde, regarde là. Elle est très fertile. Elle est vraiment fertile. Si tu entres dans la pam, une maman, seule fois. Maman, je t'avertis. Hein. C'est ces fêtes de Noël pour lesquelles nous sommes venus. On dirait que tu n'aimes pas ça. On devrait partir? Oh. On va s'en aller. Oh, même si tu pars. Que tu pars ou tu ne pars pas, ça reste le même. On dirait que tu n'es pas contente. Le fait que tu me vois ici aujourd'hui. Je suis très contente, mais la prochaine chose que je dois faire, c'est d'amener une femme. Hein? Cette fille a dû enlever. Pendant ce temps, elle maman, a dû maman, tout enlever. Maman. Voilà pourquoi elle ne peut pas concevoir. Je te l'ai dit à notre temps. Là, là, il faisait comme ça. Il touchait en passant. Je concevais. Seulement que ton père est mort. S'il avait été en vie. Oh, oh, non. Qu'est-ce que je vais même faire? Ne te dérange pas. Ne te dérange pas, je vais me débrouiller vraiment. Ibina Boniri. Mais c'est bon, venez, on y aller, non? Ah, c'est joyeux Noël, excusez-nous, excusez-nous, c'est joyeux Noël. Viens, 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 hé, viens. Viens, viens, viens. Où vas-tu? À l'église? Oui, avec maman. Ça? Qu'à Dieu ne plaise. Qu'à Dieu ne plaise, non, comme ça. Mais c'est tu es matin tout de simplement Noël, nu. Le matin de dévotion matinale. Ce qui veut dire, pourquoi doit-elle porter ce genre de choses? Normalement, elle devrait porter une robe ample. Là, on ne remarquerait pas qu'elle n'est pas enceinte. Elle voudrait aller me souiller à l'église en disant à tout le monde qu'elle n'est pas encore enceinte. Toi, va te changer. Regardez ce qu'elle porte. On dirait que c'est déchiré. Regardez, regardez, regardez. Voyons, va te changer qu'on aille à l'église. Ne me perdez pas le temps. Allez changer ça. Que ta femme non, aille non, se non, changer. Maman, oui. Je n'accepterai pas ça. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais ça. Sur le vêtement? Tu n'acceptes pas ça, alors qu'est-ce que tu vas faire? Si ça continue comme ça, je ne pars plus à l'église. Donne-moi ces clés, je peux même conduire. J'ai les clés de la voiture. Non, s'il te plaît, viens, on va à l'église. Donne-moi ça. Tu désobéis à ta mère. Chérie, allez, s'il tu te plaît. Tu désobéis à ta mère. Bébé. D'accord. Hey. Je l'ai dit, la devanture du véhicule est pleine. Ah, maman? Non. Tu manges. Mm-hmm. C'est ta femme qui a cuisiné? Oui, c'est elle. Hey. Assez Agnès de la Bois. Mm-hmm. Ibo, quoi? Elle t'a servi?
Attends que je goûte. Un morceau de viande. Hey! Combien de cubes? Marqué quoi? Combien de cubes? C'est délicieux, non? Ibinabo! Hey! Elle ne sait rien cuisiner. Ibinabo! Oui, maman. Viens, viens, mon enfant. Ne tue pas mon fils. Bébé, tu peux servir pour maman. Ibinabo. Maman. Le fait que je mâche cette viande ne veut pas dire que j'aime ce repas. Je mâche ça parce que je n'aime pas le gaspillage. Gaspiller la nourriture n'est pas dans mes habitudes. Ibinabo. Oui, maman. Combien de cubes? Combien de cubes as-tu mis dans ce repas? Combien? Ha, maman, ce n'est que deux, Maggie. Hey! Et tu dis ça? Seulement deux? Oui, maman. Seulement deux. Mais maman, il n'y a pas de dans cette soupe. Tais-toi. Tais-toi, nous cherchons comment faire pour que cette fille conçoive. Je lui ai dit des bêtises. Seulement deux. Juste deux, pourquoi maman. Pourquoi pas glissi? Onougou. Tu utilisais glissi pour cuisiner onougou. Pourquoi pas au glissi? Donc tu veux tuer mon fils. Ne sais-tu pas que c'est au glissi qu'on utilise pour cuisiner onougou? Le cube des Ibo. Notre cube. Et tu veux utiliser ça pour tuer mon fils? Ah! Pour tuer? Maman! Comment tu veux me... Tu veux tuer mon fils? Tu veux tuer mon fils? Maman, pourquoi est-ce que tu l'agis? N'essaie pas de me toucher avec tes mains là. Pourquoi est-ce que tu embêtes ma femme? Pourquoi veut-elle te tuer? Elle non, veut non, te non, tuer. Non, maman, c'est... Tu ne dois pas la gifler. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ok, dans ce cas, attends. Mais bien, bats tes affaires, on s'en va d'ici. Parce que je lui demande... Parce que je lui dis qu'elle devrait cuisiner avec notre cube. Viens porter ça. C'est pas vrai. Regarde-moi les sottises qu'elle cuisine pour mon fils. Cette fille veut tuer mon fils, mais je ne la permettrai pas. Quoi? Je ne la permettrai pas. Elle veut tuer mon fils. Regardez ça. C'est avec au glissi que nous cuisinons ici. Au glissi. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Des toqués. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Nous sommes venus pour passer Noël avec toi. Mais absolument tous les jours, tu t'envoies d'un problème à un autre. Ah, tu veux pas de nous ici? Ok, bien, on s'en va. Reste avec toute ta maison, tout ton palais. Reste ici toute seule. Regardez comment il est. Comme le caméléon. Regarde comment il fait. Tu fais maintenant ça ici. Cette fille veut te tuer. Vraiment, tu veux mourir. Donc, tu es actuellement en train de partir. Tu abandonnes ta mère parce que ta femme voulait te tuer. Ta femme voulait te tuer. Je suis en train de te sauver. Tu veux tuer ton... Tu veux te tuer. Et puis, ok, la cabine de la voiture est pleine. Elle veut te tuer. Elle veut te tuer. J'ai le glissi dans cette maison. Et ami, le cube, Oni, combien? Juste dans une petite mamie de sauce. Ne te dérange pas. Je verrai. On verra qui a raison entre toi et moi. Les fous. Comme un jeu. Ok, oh. Ça va. Tu es encore là avec ta lumière? Allez-y. Allez-y. Que je ferme mon portail. Va avec tes lumières, tes ampoules. Je vous ai dit de ne pas partir. N'importe quoi. Oh, ils m'ont abandonné. Quand une personne a une âme, il n'y a personne. Cette fille doit avoir charmé mon fils. La fille Calabas, soit la fille Baelsa. On saura qui est qui. Pas de problème. Thank you.
Bébé. Qu'est-ce que c'est? Ne me dis pas que tu es toujours perturbé à cause de maman. Je suis désolé pour ce qu'elle a fait. Encore une fois, je suis désolé pour ce qui s'est passé. C'était totalement injuste. Et je prends la responsabilité totale de ça. Et je ne permettrai plus jamais que cela arrive. Et même si tu dis que tu ne veux plus aller dans ce village, ça m'arrange. Je me tiendrai à tes côtés sur chaque pas de la route. Je veux dire, tu n'es pas Dieu. Alors quand Dieu dira que c'est le temps pour nous d'avoir un bébé, on aura un enfant. Pourquoi est-ce qu'on aura un bébé? Toi seul, tu me rends tellement heureux. Et tu sais quoi? Et si tu accouches maintenant, ils vont commencer à courir un peu de partout là. Et vont commencer à faire du désordre dans toute la maison. Quand le temps de Dieu viendra, on aura un enfant. Désolé. Ok. Mais ça ne m'empêche pas de penser. Chérie, écoute. Si on pensait à ça... Et si maman avait raison? Raison à propos de quoi? Nous sommes mariés, ça fait 3 bonnes années. Et je n'ai jamais eu une seule fausse couche. Qu'est-ce que cela a à y voir? Elle peut avoir raison. Que je suis stérile. N'ose plus jamais lui dire. Es-tu Dieu? Es-tu? Bébé, continuons à avoir la foi. Gardons notre calme et continuons à croire que le Tout-Puissant le fera au meilleur moment. Tu... est fertile. Ne le dis plus jamais. Bonjour, monsieur. Oui, Jenny. Désolé pour le dérangement, monsieur. C'est juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui sera mon dernier jour de travail. Ton dernier jour? Oh, nous sommes déjà le 31. Oh. Ok. D'accord. Okay. Ça, c'est bien. Mais ne peux-tu pas rester avec nous pour une semaine? J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Ma mère est malade et sa condition s'empire. Je ne peux pas. Oh, ok, bien, bien. Bonne chance sur tes projets. Merci, monsieur. Et j'espère que ta mère se portera bien le plus tôt. D'accord, monsieur. D'accord. Thank you.
Je viens d'arriver à la maison. Maman, tu peux pas continuer à faire ça. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Avec ce que tu as fait, dis-moi un peu qu'il ne pourrait pas se mettre en colère. Donc on ne devrait pas s'en aller. Eh bien, nous ne sommes pas rentrés, nous sommes allés juste à l'hôtel. Maman, je suis pas fâché. Bah, comment on serait resté pendant que tu te comportais de la sorte avec nous? Il n'y a pas de problème, ça va. Je t'ai dit que Dieu résoudra cela à son propre temps. On aura nos propres enfants. Ne nous mets pas une pression qui n'est pas nécessaire sur moi et ma femme. Je t'en prie. Oui. Elle est là. Non, toi-même, tu devrais le lui dire. Allô, maman. Bon après-midi, maman. Je vais bien, maman. Pas de problème, maman. Pas de problème, maman. Oui, maman. Merci beaucoup, maman. Oui. Ok, je t'ai écouté. Je suis plus fâché, ça va. D'accord. Ah, on viendra pas au village d'ici peu. Mais maman, je travaille, non? Oui, si tu veux venir, viens. La maison est accueillante. Ne viens pas avec tes problèmes, hein. Ne viens pas avec tes problèmes. Laisse tes problèmes au village et viens seul. Ok, sans problème. D'accord. One music. Je vais t'envoyer l'argent demain. Mon bébé. Comment tu vas? Bien. Bien, merci. Comment était ta journée? Bien, j'ai eu une très belle journée. Plutôt très belle. Laisse-moi t'aider. Juste un peu mouvementé. Ma secrétaire est partie aujourd'hui. Oh, vraiment? Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes de famille. Alors, j'ai trouvé bon qu'elle s'en aille. Donc, ça va. Alors, à l'heure actuelle, j'ai besoin d'une secrétaire aussitôt que possible cette semaine. Et n'importe laquelle. Il y a plusieurs là dehors. Ah, je l'espère. Le repas est prêt? Oui, va juste prendre ton vin et je t'apporte à manger. D'accord, je meurs d'impatience. Bébé, pourquoi te plains-tu? Ok, maintenant je suis la cause de ton mal corporel, c'est ça? Dis-moi, t'as pas aimé? Ok, t'inquiète pas, je te masserai quand je serai de retour. Arrête l'appel, quelqu'un est devant moi. Ok, bye bye. Ah, désolé, c'était ma femme. C'est bon, monsieur, ne vous occupez pas de moi. Alors, ils ont dit que tu commences aujourd'hui, c'est ça? Oui, monsieur, je suis. Merci de me recevoir. Oh, c'est bon. J'ai très hâte de... rebooster la relation de travail. Pareil pour moi. Ok, quand tu seras dehors, premier bureau à ta droite, demande de Mike, tu te montreras ton bureau. Très bien, merci beaucoup, monsieur. J'apprécie vraiment. Merci. Le plaisir est pour moi. Bonne année, mec. Frère, c'est comment? Ah, je suis comme tu me vois, je vais pas en demander plus quand même. Comment était le voyage? Ouais, le voyage s'est bien passé, malgré... En fait, tu connais le caractère de ma mère. Ah!
génération à problème. Elle est une dure à cuire. Ah, elle est juste venue nous mettre la pression. Pression sur pression juste pour lui donner un bébé. Ah, mon frère, tu sais, non, tu sais comment ces vieilles femmes, je pense. Je sais, mais il faut qu'elle se calme. Je suis pas Dieu après tout. Je suis pas Dieu quand même. Je suis même pas allé jusqu'à la fin. Tu ne croiras jamais que ma mère a levé sa main pour gifler ma femme. Es-tu sérieux? Tu ne croiras jamais. Le 27, j'étais déjà de retour. Mais enfin, arrangez-vous, non? Arrange les choses avec elle. Je comprends. Elle a tout de même appelé et elle s'est excusée. Oh. Donc ça va. Je lui ai dit qu'elle peut venir à la maison quand elle le souhaite. Mais tu vois, moi et ma femme, je ne suis pas sûr que ça sera aussi cool. Mais mon frère, c'est pas possible. C'est quoi, c'est comment? Tu vas fuir le village? Dans ce cas, oui. Mais alors, maman viendra te voir, non? Et vous allez tout arranger. Ah. Comment elle voit ta femme? Eh bien voilà, tu peux pas la repousser. C'est impossible. Ah, blague alors. Elle est incontournable. T'inquiète pas, bonjour. Merci, bonjour. Je voulais vous informer que c'est bientôt l'heure de la réunion. Oh, déjà. Ok, là il est 16h30. Oui, monsieur. Ok, d'accord, je vais me préparer pour ça. Très bien, d'accord. Bonne journée, monsieur. Solo. Alors, qu'as-tu à faire aujourd'hui? Oh, juste une réunion et aussitôt que j'aurai fini, je serai de retour à la maison. Bien, pas de problème, on peut aller ensemble, non? Ok, sans problème. Qu'une belle-mère comme la tienne ne croise jamais ma route, au nom de Jésus. Amen. La reine des drames, tu as encore commencé? Oui, j'ai encore commencé. Écoute, tu penses que si c'était moi que cette femme giflait comme ça, j'allais aussi bien la gifler? Dis-moi seulement. Tu vas mettre main sur ta mère, sur ta belle-mère. Pardon, ne dis plus ce genre de choses, je t'en supplie au nom de Dieu. Même si ce n'est pas ta mère ou ta belle-mère. Ne sais-tu pas que c'est une malédiction de mettre main sur quelqu'un plus âgé que toi? Âgé? Si elle est âgée, elle agit comme un enfant. Toi aussi agis comme un enfant. Entre elle et moi, qui est l'enfant? Je suis l'enfant ici. Ma chère, je n'ai pas de problème. Mon mari me soutient à 100%. Tu penses quand elle m'a giflé? Je n'ai pas eu envie de prendre un couteau et la poignarder. S'il te plaît, si j'avais fait cela, mon mari ne me soutiendrait pas. C'est ça le secret. Tu dois prétendre que rien ne se passe et avoir ton mari derrière toi. Sinon... Toi, taper, comment? Tu es trop calme, du genre n'importe quel fou dans la rue peut venir mettre son doigt sur ton œil. Mais grande sœur, moi je peux pas être calme comme ça. Et laisse-moi te dire, toute personne qui va m'essayer, toute belle-mère, je vais leur chiffler. Peu importe qui aura raison, on va seulement bagarrer. Oui. Ok, calme-toi, tu vas arriver là-bas. Ok, Dieu lui-même connaît, non? Ah, je t'ai dit ce qui était mieux. Ça, c'est la raison pour laquelle je prie que dans la famille que je vais entrer, si Dieu ne veut pas que je sois un journal que tout le monde va lire, soit cette femme est morte, soit elle est calme. Parce que ma tête ne va pas marcher. On va se bagarrer. Ne t'inquiète pas, tu vas arriver à ce stade. Mais je ne prie pas que tu aies une belle-mère comme la mienne. Dis que je n'ai rien dit. Elle est libre parce qu'elle n'a pas une belle-fille comme moi. Non, tu auras une très très bonne belle-mère. Non, je ne veux pas mettre une autre couleur. Celle-ci est mieux. Oui, cherche. Laisse-moi aller chercher le coton. Désolée. Ok, voilà. Scanne-le et renvoie-le-leur. Fais-le immédiatement. Immédiatement, s'il te plaît. Alors, comment tu vas? Comment vont les affaires? Ah, la cible sera touchée. Aussitôt qu'elle le renvoie, on aura un feedback. Wow. Tu sais que ceci sera grandiose. Je ne peux pas attendre que cette affaire aboutisse. Ah, tu plaisantes, j'espère. Ma femme est déjà au courant, je vais m'acheter une nouvelle voiture. Wow. Je n'ai aucune propriété à mon nom, donc aussitôt que l'argent tombera, je vais me lancer. Ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir une propriété. Mais attends un peu, gars. Ah. Qu'est-ce qui te dérange?
Ta secrétaire, c'est Ganon. Je me disais qu'en ce moment, tu étais supposé déjà commencer. Qu'est-ce qui t'arrive? T'occupe pas de ça. Mais si tu n'es pas intéressé, je suis là. Je la trouve Ganon, mon frère. Tu devrais déjà commencer les choses, non? Hey, Solo, respecte-toi. D'après ce que je sache, je suis un homme marié. Et toi, tu es également marié avec deux enfants. Alors il faut que tu mettes les choses au clair. Ah, il n'y a rien de mauvais pour un homme à apprécier la créature de Dieu. Eh bien, c'est ma secrétaire. Arrête de la déranger. Allez. Mais je te reconnais plus. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu sais quoi? Arrête. Arrête ce sujet. Maintenant, je n'ai plus envie de parler de ça. Mais tu me surprends. Saloma, arrête. Ça va. Laisse-moi attendre que l'agent entre. C'est le plus important pour moi maintenant. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de choses à faire avec. Ça doit se faire. Reste là, faut ton chrétien. D'ici demain, on aura une réponse. Ça va. Demain ou au plus tard dans deux jours. Ok. Oui. Je vais y jeter un coup d'œil pendant un moment et je te rappellerai. Monsieur, je voudrais profiter de cette opportunité pour vous informer que mon anniversaire, c'est samedi. Et vous savez, faire une fête, c'est un gros problème, donc j'ai voulu appeler mes amis pour que nous prenions un verre tous ensemble. J'apprécierais vraiment si vous pouvez en faire partie. Oh, le 30. Oui, monsieur. Le 30, en effet, très bien. Ok. Malheureusement, je ne pourrai pas y participer parce que j'ai l'habitude de sortir avec ma femme le vendredi soir. C'est le seul moment où on peut sortir ensemble. D'accord, monsieur, je comprends. Je suis vraiment désolé, mais je te ferai un cadeau. Merci, monsieur. Lundi matin. Je reviens pour les dossiers. Ok. D'accord, merci. J'ai travaillé dur pour cette affaire. J'ai travaillé avec... Ah, comment? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? 6 mois d'investissement à terre, juste comme ça. Oh, non. Oh. Monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ok, vas-y, je te rejoins dans quelques minutes. Très bien, monsieur. Bryce. Monsieur. Prends-moi un verre dans mon frigo. Ok. C'est pas vrai. Pourquoi? Bien. Tu peux partir. D'accord. Bryce. Encore. Monsieur. Bruce. Monsieur. Encore un verre. Un autre verre? Oui. Non.
Voilà, monsieur, tenez. Encore? Ouais. S'il vous plaît, tout ira mieux. Tout va bien, c'est passé. Monsieur. Oui, voilà, tout va bien se passer. Pas. On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu as envie de moi? Oh. Mon Dieu! Oh, allez aussi, nous avons fait l'amour. Quoi? Deux heures? Oh. Les appels manqués de ma femme. Sors de mon bureau! Sors de mon bureau! Sors de mon bureau! Dehors! Arrête ça! Sors de mon bureau! Sors! Dehors! Allez! Prends ça! Sors! 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 Tu m'as tellement inquiétée. Je t'ai appelée et tu ne répondais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon téléphone était bloqué. Mon Dieu. J'ai appelé ta secrétaire. Elle m'a dit que tu as quitté vers 16h. Et j'ai appelé Salomon. Je n'ai pas pu le joindre. Oh mon Dieu. As-tu commencé à boire? Mon Dieu.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste envie de dormir. Ok. J'ai juste envie de me coucher. Ah. Oh, désolé. Attention, d'accord. C'est bon, arrête ça. Arrête. Quoi? N'as-tu pas aimé? Écoute. Ce qu'on a fait était une grande erreur, une très grande erreur. Vraiment? Et je le regrette, je suis vraiment désolé. Ça n'arrivera plus. J'aime énormément ma femme. J'ai pas envie de lui faire ça, ok? Oh. Je suis flattée. Oh, Pascal. Écoute... C'est bon, tu arrêtes! Arrête! C'est pas comme ça que tu dois t'asseoir. Ici est un bureau, une personne peut entrer à tout moment. Pascal, es-tu en train de crêter mes sentiments pour toi des bêtises? Attends un peu. Comment puis-je le dire? Veux-tu m'utiliser et me jeter? Non. Tu m'as utilisé pour baisser ta tension? Ah. Je vois. Très bien. Tu m'utilises pour baisser ta tension. Hey, Pascal. Tu penses être rusé. Tu ne vas pas te jouer de moi. Tu ne vas pas te jouer de moi. Oh, merde. Mais qu'est-ce qui ne va pas, non? J'espère que c'est pas ce que je pense, oh. J'espère que ce n'est pas ce que je pense, oh. Ne me dis pas que tu as... Bon, bon. Mais parle-moi, donc, qu'est-ce qui ne va pas? As-tu... Dis-moi non, qu'est-ce qui va pas? Parle-moi! J'espère que tu n'as pas... Qu'est-ce que je pense là? Parle-moi mon frère, qu'est-ce qui se passe? Chérie, regarde. Ah, viens regarder. Oh. C'est bien. Ne me dis pas que tu es encore contrarié ce matin. Allez, ressaisis-toi. Je comprends et je sais que c'est à propos du contrat que tu as perdu. S'il te plaît, ressaisis-toi. Pourquoi tu te stresses ainsi? Ne t'inquiète pas, Dieu va te donner un plus meilleur que ça. Ressaisis-toi, non. Regarde un autre. Chérie, je n'aime pas ton humeur. Fais-moi voir. N'aimes-tu pas ce design? Ouais, c'est clair, c'est très joli. C'est fabriqué dans mon salon. Pourquoi fais-tu cela? Donne-moi un sourire. Comme ça. Je veux que tu souries comme ça, là. C'est mon amour. Ne t'inquiète pas, Dieu va te bénir.
Grace. Je ne suis pas content. Vraiment pas. De ce qui s'est passé. J'ai pas voulu que cela arrive. Je le regrette. Et je ne suis pas en train d'essayer de te blâmer ou quoi que ce soit. Je prends toute la responsabilité pour ça. Mais je t'en prie, je t'en supplie, au nom de toutes les choses auxquelles tu tiens, je t'en prie, efface cette vidéo. Ça détruira mon mariage. Je t'en prie. La vidéo? Ok. Disons que j'ai accepté d'effacer la vidéo. Mais je suis tombée enceinte. Tu le sais déjà. Dis-le encore. Tu ne peux pas le garder. Vraiment? Tu ne veux pas? Je ne peux rien faire pour ma grossesse. Non. Chérie. Oh oui, je suis presque en retard. Il faut que je parte, bébé. Juste comme ça? Ah, t'inquiète pas, je te verrai à mon retour. Non, chérie, pas comme ça. Parle-moi, s'il te plaît. Je pense que c'est le moment de me dire ce qui te dérange. Je t'ai dit qu'il n'y a rien qui me dérange. Hein? Arrête de te déranger pour ce moins que rien. Ok? Tu parles à ta femme et non à un étranger. Je te connais assez. Ça fait 3 jours que tu ne manges pas mes repas. Ça, c'est parce que je quitte la maison vraiment très tôt. Tu sais qu'il n'y a pas moyen pour moi de m'asseoir et manger. Hein? Écoute, si tu continues comme ça, je serai en retard pour ma réunion. C'est dans 20 minutes. D'accord? Bien, à plus tard. Je te verrai à mon retour. Prends soin de toi. D'accord. D'accord. Mon frère, tu n'as pas à être comme ça. Voyons, le pied est passé. T'es déjà dans la merde. Ce qu'il te reste à faire, c'est d'essayer de gérer, prendre tes responsabilités. Si ton épouse t'aime vraiment comme elle le pense, elle doit être capable de bien accueillir cette nouvelle. Plus facile de dire qu'à faire. Je suis tellement confus. J'ai supplié cette demoiselle. Je l'ai suppliée à maintes reprises d'enlever cette chose. Enlève-la. Elle refuse. Pour moi, je me réjouis qu'elle ait refusé.
Je veux dire, tu dois voir le bon côté des choses. Avoir un bébé à cette période, c'est une bonne chose. Ton épouse n'a pas pu te donner un autre. Ça fait 3 ans maintenant. Parle-lui, ainsi vous deux pourrez gérer cette situation. Avoir un bébé, c'est une bonne chose maintenant. Chérie. Dieu sait que de tout ce qui existe en moi, et je n'ai pas envie d'être avec une autre personne à part toi. Chérie, tu me fais peur. Je ne te comprends pas. S'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît, ne me dis pas que tu t'es lassé de moi. Non, c'est pas ça. Je t'aime toujours, tellement, et je ne serai jamais fatigué de toi. Mais quoi? Ma nouvelle secrétaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Après qu'on ait perdu l'affaire, je t'ai dévasté. Je t'ai abattu. J'ai demandé à ma secrétaire de me donner à boire un verre de whisky. Et j'ai bu un verre, un autre verre, encore un autre verre, jusqu'à ce que je sois ivre. Elle a profité de moi et elle a commencé à me toucher. On l'a fait. Tu veux dire que tu m'as trompé? Elle est enceinte. Je plaisante. Elle est quoi? Elle est... Je suis vraiment désolé. Je suis profondément désolé. Tu sais que je ne te manquerai pas délibérément de respect. J'ai essayé de lui demander de l'enlever. J'ai dit que sa situation me préoccupe. Je lui ai demandé de l'enlever, mais elle a refusé. Je t'en prie. Dis-moi que tu es en train de blaguer. Tu veux dire qu'elle aura ton enfant? Je n'aurai pas un bébé avec quelqu'un d'autre, mais avec toi. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je souhaite retourner le temps et arrêter cela. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je suis désolé. Je suis désolé.
que je te laisse. Dans ma maison, t'es devenue folle? Si quelque chose ne va pas bien dans ma tête de quelqu'un, c'est dans la tienne. Oui, parce que si tu t'es assis un seul instant et pensé que je vais te laisser me mettre de côté et prendre les responsabilités sur moi seule, tu dois être fou. Écoute bien, monsieur le beau, je ne demande pas ton opinion. Je te donne un ordre. Une semaine, mets ta maison en ordre. Parce que j'arrive là-bas. Bêtise. Que vais-je bien faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mon foyer est menacé. On n'a jamais eu ce genre de pression avant. Je ne peux plus oser regarder ma femme dans les yeux. Parce que j'ai trahi la femme à cause de cette erreur. J'ai jamais été confus comme ça de toute ma vie. Je sais pas. Honnêtement, à ce point, je suis moi-même confus. Comment peut-elle réagir de cette manière? J'en sais rien. Enfin, c'est un gros problème, hein. Sois la bienvenue. Hey. Merci beaucoup, maman, pour ton hospitalité. Merci, ma fille. Voilà comment nous traitons les étrangers. Nous n'abandonnons pas les étrangers simplement comme ça. Surtout ceux qui viennent de loin. Merci, oui. Maman. J'apprécie vraiment. Merci. Merci, maman. Je suis venue ici te parler de quelque chose de très important. Tu vois, je travaille avec ton fils Pascal. Hein? Je suis sa secrétaire. Hein? Oui, maman. Vous voyez? Et je vous accueille sans vous connaître. Et vous êtes la bienvenue, ma fille. Merci beaucoup, soyez maman. Soyez la bienvenue, fois de plus. D'accord. Soyez la bienvenue. Mais, maman, la raison pour laquelle je suis vraiment venue ici est pour te dire que je suis enceinte. Je porte le bébé de Pascal. Tu es enceinte? Oui, maman. Tu portes le bébé de Pascal? Oui, je suis. Et l'échographie a montré que je porte une grossesse multiple. Hey! Est-ce à dire que c'est pas bon? Je ne comprends pas. Grossesse multiple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux être en train de porter 3, 4, 5 bébés. Là-dedans? Oui, maman. Le ventre, si. Hey! Ah, que je n'ai pas un dans cette concession. Devant le véhicule, il n'y avait personne. Il y a quelqu'un maintenant. Ma chérie, maman, que tu es enceinte de mon fils Pascal. Oui, maman. Es-tu au courant? Mais ne te dérange pas, ne te dérange pas. Qu'il soit au courant ou pas, puisque tu as prononcé son nom, hein, tu es la bienvenue à la maison. Mais il y a un problème. Hey, quel problème encore? Mais tu es déjà enceinte. Oui, je suis enceinte, quel maman. Quel problème alors? Ont-ils dit que tu ne peux pas les accoucher? Non. D'accord. Mais Pascal, il ne veut pas assumer ses responsabilités. Il voudrait que j'enlève cette grossesse. Hé, hey, abomination! Ne dis plus ça. Hé, hey, coucou, Nico, ne dis plus, ne mentionne plus ça. Il veut en finir. Finir avec quoi? Quand je n'ai même pas un, alors que tu as au moins 3 ou 4 là. Le village entier. Ma chérie, ne fais pas égal, lui. Tu es déjà ma femme. Je cherchais une occasion. En fait, tu es ma femme. En fait, tu es la femme de Pascal. Point final. Merci, maman. La devanture du véhicule était vide. Personne ne voulait s'éteigner. Maintenant, il y a quelqu'un. Merci, tu es maman. La bienvenue, ma fille. Merci, il n'y a plus maman. Rien à dire. Tu comprends, mon enfant? Hey!
Hey, sois la bienvenue. Merci, maman. Tu es vraiment la bienvenue. Non, mon enfant, non. Ma femme, lève-toi, d'accord? Assois-toi. Merci, hey, maman. Mon enfant, regarde tes jolies formes. Suis-toi de bien couvrir ça. Couvrir ça comme ça pour mon fils. Hein? Contrairement à l'autre qui est toujours en train de laisser tout ouvert et chercher à séduire quelqu'un. Regarde le corps. Mais tu as couvert partout, mais ne permets pas qu'il voit ici. Hein? Hein? Merci beaucoup, maman. Jolie fille, regarde tes yeux là. Dirais les yeux du chat. Tu as pelé les yeux? Ce sont mes yeux naturels. Tes yeux naturels? Oui, maman. Hey, tu couines de Kouégou. Tu as donné les yeux du chat à ma femme. Tu couines de Kouégou. Hein? Voilà pourquoi tu conçois n'importe comment. 5, 4 ou 5. Oui, le village entier. Tiens, tiens, tiens. Tu es la bienvenue à la maison. Merci, maman. Ini, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Il s'agit de quoi? Chris? Hé, hey. Comment l'as-tu appelé? Bien, tu la connais. L'explication de ça veut dire quoi ça? C'est l'emballage de la marchandise que j'ai apportée. Voilà l'explication à ta question. Le réservoir, c'est ce que j'ai apporté. C'est la dame en question. Elle est enceinte de moi. Oh, Irumoto Juleju Magaguya. Dieu merci, tu as reconnu. Chérie. Tu vas bien? Ça va. Je ne suis pas sûre que j'irai aujourd'hui. Pourquoi? Je ne peux pas laisser cet étranger seul dans ma maison. En fait, Aine est déjà là-bas, elle va prendre soin de tout. Je comprends. Et qu'est-ce qu'il y en a de toi? Ne vas-tu pas au boulot aujourd'hui? J'étais sur le point. J'étais sur le point de m'habiller, mais dans un second temps, j'ai appelé au bureau pour prendre une semaine de congé pour que on puisse enfin être ici et résoudre les problèmes ensemble.
et trouver ce à quoi nous croyons. Peu importe ce que maman et les autres font, ils ne pourront pas se poser entre nous. Je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation. Je suis profondément désolé. Maman. Rappelle-moi encore son nom. Qui est ma secrétaire? Grace. Grace. Bruce. Oh, tu connais déjà mon nom. Plaisir de te connaître. Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin qu'on parle. Nous parlons déjà? Je ne comprends pas pourquoi, dans tout ce monde, c'est ma maison que tu as trouvée comme refuge. Oh mon Dieu. Pardon? Ta maison? Toi? Je ne peux pas le croire. Donc tu connais l'importance d'une maison? Intéressant. Écoute-moi. Si j'étais toi, tu sais ce que je ferais? Je partirais très loin. Je ne me rendrais pas ridicule. Priez. Prier, c'est impossible. Depuis qu'elle est arrivée à la maison, elle nous rend la vie impossible. Tu ne sais pas à quoi elle pense. Tu ne sais pas comment elle réagira dans les minutes. Elle est imprévisible. Ma femme, après tout ça, a changé. Elle en a jusqu'ici. Elle m'adresse la parole à peine. Elle est probablement devenue une ombre d'elle-même. Je suis en train de perdre ma femme, Salomon. Je suis en train de la perdre, je ne sais pas quoi faire. Mon frère, tu dois être un homme. Être un homme? Avant que cette femme ne transforme ta maison en enfer, peux-tu imaginer un mac à ma femme? Elle demande à mon petit frère de partir parce qu'elle a besoin d'intimité. L'intimité? Tu t'imagines? Et qu'est-ce qu'elle veut au final? Que veux-tu que je te dise? Voilà le problème. Si tu leur donnes une petite opportunité, elles vont te marcher dessus. Il faut que tu sois un homme. Ça va pas te dépasser. Thank you.
J'aime bien ça. Tu as les clés de la voiture. Je veux les clés de la voiture. Les clés de la voiture. S'il te plaît, donne-moi les clés de la voiture. Je les ai cherchées partout. Je ne peux pas te donner la clé de la voiture parce que je dois aller à une consultation prénatale. Écoute, tu peux aller prendre les bus parce que j'ai besoin de la voiture. S'il te plaît, les clés de la voiture. Les clients m'attendent. Puis-je avoir les clés de la voiture? Alors, prends un taxi. Donne-moi les clés de la voiture. Arrête, je n'ai pas envie de te toucher à cause de ton état. N'essaye plus jamais d'arracher quelque chose qui est en ma possession. S'il te plaît, donne-moi les clés de la voiture. Je ne blague pas. Écoute, donne-les-moi. Je ne m'amuse pas avec toi. S'il te plaît, donne-moi les clés. Donne-moi les clés de la voiture. Tu es folle. Écoute, je vais te battre. Je vais continuer à te battre. Hey, ne touche pas ma femme. Ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Ne te soucie pas d'elle, c'est un prétexte. Que lui arrive-t-il? Elle est en train de blaguer, c'est juste un prétexte. Écoute. S'il te plaît, ferme ta bouche. Respecte-toi. Parce que je vais aller dire, arrête de me tuer. Alors vas-y, meurs. C'est un massacre, je vais mourir ici. Nous allons tous mourir ici. Donne-moi mes clés. Donne-moi ces clés. Donne-les-moi. Pourquoi t'investis-tu à détruire ma vie? Pourquoi? Attends. Grace, t'es une sorcière? Nous devons être une famille. Toi, ma toilette. Mon dos. Quel confort. Ma sémérie. Il est 3h. À 3h, tu n'es pas encore endormi. Quel est ce genre de connerie? Pardon de te déranger, sœur. Puis-je dormir dans ta chambre? Tu es sûre que tu vas bien? Je vais bien. Puis-je dormir ici? D'accord. Tu vas bien? Sœurette, je vais bien. Y a-t-il une chose dont tu veux qu'on parle?
S'il te plaît, je n'ai pas envie de parler de ça. S'il te plaît, dormons d'abord. Qu'est-ce que tu... Viens ici. Tu peux pas. Hey, va là-bas, va. Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, fille. J'aime pas ça. Bébé, chérie. Ou alors aimerais-tu que notre vidéo porno soit sur Instagram? Tout le monde ici est nigérien connecté sur Instagram, tu sais, et tous ces réseaux sociaux. Ok, attends. J'ai une très bonne idée. Monsieur le pasteur, avec sa secrétaire. C'est la meilleure. Et imagine quoi, nous aurons comme 1 million de vues en 2 minutes. Ah, amusant, n'est-ce pas? Oh, assieds-toi ici, petit garçon. Je savais que tu serais raisonnable. Et tu sais quoi? Je t'aime bien. Hey, ne touche pas. C'est pas le problème. J'aime bien cette émission, tu sais. Et il sourit un peu. Ne touche pas. J'aime toujours regarder cette vidéo. Regarde. Regarde ton là. Olida. Ils ont fait des merveilles. Ils ont abandonné cet endroit. John, il s'en va. Il marche toujours. Johnny s'en va. Bouge. Chérie, lève-toi. Bébé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens juste de faire un mauvais rêve. Un mauvais rêve à propos de quoi? Oh mon Dieu. Tu étais avec Grace.
n'est qu'un rêve. Il n'y a rien de plus en ça. Je suis entrée au salon et je vous ai vu, toi et Chris. Regardons la télé. Vous étiez tellement heureux tous les deux. Elle n'a même pas prêté attention quand je suis arrivée. Et toi aussi, tu ne l'as pas fait. Bah, comme tu l'as dit, ce n'est qu'un rêve. Et ce n'est que ça. D'accord, je suis ici avec toi. Et je suis content d'être avec toi. Alors, te dérange pas pour une telle chose. Bien, dormons. Bien, allez, viens dormir. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Énormément. De tout mon cœur. Viens. Mais je dois... Tu dois où? Tu recommences. Pas de problème. Tu recommences. Pas de problème. Je vais toujours te gagner. Annie, je peux te demander quelque chose, s'il te plaît? D'accord. Je sais que tu as eu peur de voir ça. Mais est-ce que tu peux me dire la signification de tout ce drame avec la grossesse, la pression et toi qui pleures tous les jours? Ma chère, ces semaines ont été vraiment critiques pour moi. Je suis vraiment fatiguée. Mais tu sais quoi? Je ne m'inquiète pas parce que mon mari a 100% confiance en moi. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon assurance. Que Dieu Alors? Bénisse tellement. Tonton Pascal. Oh oui. Ça a été quelque chose que je n'ai jamais entendu. Ça a été notre ami et notre mari. Ne fais même pas allusion à ce côté, sinon je vais te tuer. Pardon, laisse-moi combattre avec cette sorcière de femme enceinte dans cette maison. Regarde, tu as encore commencé. Pardon, je ne triche pas, George. C'est à mon tour de jouer. Tu ne joues plus alors. Non, non. Regarde, qu'est-ce que tu fais? Ah, une grande famille. Vas-tu sortir de cette voiture? Hein? Attends, tu vas voir. Ne me donne pas une raison! Ne me donne pas une raison de mettre main sur toi! Qu'est-ce que tu fous, nom de Dieu? Tu sais quoi? Chérie, je suis désolé. Ça ne te dérangerait pas si on prend un taxi? Non, il n'y a pas de souci. Bien. Tu peux rester ici! Puis-je avoir les clés de la voiture, s'il vous plaît? Les clés de la voiture, mon œil! À plus tard! Tu aimais ma sœur. Ogo, je t'ai connue quand j'étais plus jeune. Dis-moi, que s'est-il passé? Pourquoi ce changement? N'aimes-tu plus ma sœur? Donc tu as réalisé que j'ai changé? Encore et encore.
Ebinabor. 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 Ok. Tu veux savoir pourquoi j'ai changé? Je vais pas te mentir. Mais je parlerai seulement en présence de tout le monde. Y compris même ta sœur. Pascal, mon fils. Maman. Je suis sur le point de rentrer chez moi. Je veux que tout le monde vive en paix. Tu le rendras possible. En tant qu'homme de la maison, tu dois le rendre possible. Je veux que tu saches que elle est enceinte et elle a besoin de plus d'attention. Je n'aimerais pas entendre de plaintes de qui que ce soit. Et s'il y en a, on est n'est pas loin d'ici. Je peux facilement venir et rentrer. Tu sais ma venue et mon retour. Tu sais ce que ça veut dire. Alors, je ne voulais pas qu'on m'appelle. Je ne voulais pas avoir cette opportunité de venir et de poser des questions. Je dis que la cabine et ta voiture n'a personne. Voilà donc tout ce que je peux te dire, hein? Bien. Maman. Ma chérie. Ah ah. Merci. Tu veux me faire couler les larmes? Non, maman. Pourquoi coules-tu les larmes? Est-ce parce que je rentre? Je viendrai souvent, d'accord? Tu vas me manquer. Je viendrai souvent, ma fille. Je vais toujours venir. Rassure-toi de prendre soin de mon fils, d'accord? Bien, ne pleure pas. Maman, attends. Avant que tu t'en ailles, j'ai quelque chose à dire. Qu'est-ce que tu as à dire? Quoi? Merci de vouloir s'aimer la tisanie entre ma femme et moi. Ça, c'est ce que tu penses. C'est vrai, Pascal. Je suis désolée. Arrête, mon amour. S'il te plaît. Je ne suis pas encore sortie. Et tu as commencé à lui parler n'importe comment. Je vous en supplie. Non. Permettez à cette fille d'accoucher ses 4 enfants. Le village tout entier. À l'intérieur d'elle. Permettez-lui d'accoucher en paix. Pour ton bien. Ça, c'est pour ton bien. Comme tu peux le voir, celle-là est vide. La différence est claire. Mais la cabine de cette autre voiture, il y a quelqu'un. S'il te plaît, ne te fâche pas, d'accord? Maman. Tout ira bien. C'est vrai. Je porte les bébés de Pascal. Mais je suis venue ici pour une autre raison. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu dis? Itché Brouma. Maman, je suis venue ici pour me venger. Qu'est-ce qu'elle raconte? S'il te plaît. Celle qui assise là-bas. Et bien d'abord. Tu la connais? Elle était ma meilleure amie. Maman, je suis là pour servir à Ebinabor le même repas amer qu'elle a servi à ma famille, à moi, il y a de cela quelques années. Et j'ai fait un feu que je vais lui faire payer, et même avec la dernière goutte de mon sang, pour toute la douleur que tu as figée à moi et ma famille. Et même si c'était la dernière chose que je ferais dans ma vie, je lui ferais payer. Ça va, ma fille. Ça va, s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu connais ta vie. Ah, Lucien, vous êtes vraiment drôle. Imagine juste la façon dont elles ont léché le plat. Oui. Mais l'autre jour, je vous ai demandé de préparer un simple riz.
Et vous êtes allé préparer un... C'était encore quoi là? Le bouillon. Mais vous voulez manger. Cette nourriture était très bonne. Délégué. Non, j'ai appris à préparer cette nourriture en regardant la chaîne indienne. Bienvenue, ma prof. Sois le bienvenu. Je sais même que quoi. Non, papa. C'est un programme que nous avons normalement tous les samedis. Samedi. C'est vrai? Oui, papa. C'est ce que je te disais depuis, par rapport à cette chaîne indienne. Oui, elles ne peuvent jamais apprendre quelque chose d'instructif venant de là. Et oui. Pendant ce temps, j'avais une voix qui... Ne t'en fais pas la semaine prochaine. Mmh. Je vais te cuisiner le riz et la sauce. Mmh. Oui. Celle est très bonne. Du riz et la sauce. Du riz et la sauce. Maman. Le riz et la sauce. Oui, maman. Sans problème. Hey! C'est fici. Papa, tu vas aimer la sauce. Sans problème, nous allons aimer. Mais rassurez-vous que tous les condiments que vous allez utiliser, tout ce que vous allez utiliser pour le riz, le tapioca, rassurez-vous que vous achetez ça avec votre argent. Hey. Parce que vous n'allez utiliser aucune de mes provisions. Hey! Oui. On va le faire comment pour préparer? Oui, chérie. On va acheter quoi? Oui. Après? Voilà pourquoi. Je suis d'accord, j'ai un panier. Nous irons au marché. Oh, Bayou, je t'ai demandé d'enlever cette chaîne de sauce. Oui, nous irons au marché acheter des frais poissons. Rien du tout venant de cette chaîne. Oui, des frais. Tu ne peux pas imaginer. Nous souffrons. Nous souffrons sérieusement. Sais-tu que hier, certains membres de l'église sont venus pour recruter quelques membres. Annie et moi se sont levés à 6 heures du matin. Ce n'est pas normal. C'est tellement douloureux. Oh, ça c'est très mauvais. Dieu merci parce qu'ils n'ont pas remarqué ta présence. Grace, ma soeur. Qu'est-ce que veut dire être en sécurité quand nous ne pouvons même pas avoir de quoi manger? Juste une cuillère de nourriture par jour. Essayons de voir ta petite soeur grandir chaque jour sans nourriture. Ce n'est pas normal. Pourquoi Dieu nous avait créés? Pourquoi? Écoute, ne parle pas comme ça. Honnêtement, j'espérais faire quelque chose. J'espérais vraiment faire quelque chose. Ne t'en fais pas. Je vais essayer de parler à ma mère. Peut-être qu'elle pourra faire quelque chose. Rien n'est parfait dans ce monde. Je dois partir car j'ai laissé ma soeur là-bas. Et si elle se réveille, elle va me chercher. Merci beaucoup. Merci. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Tu es une soeur Arrête. Pour moi. Merci. Arrête. Merci. Ok, laisse-moi parler à mon père. Il est en train de sortir. Comme ça, il pourra te déposer. Pour que tu ne dépenses pas. Tu pourras gérer c'est avec vrai. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu pleures? C'est quoi? Je souhaite d'être privilégiée comme vous et avoir une bonne maison. Oh non, ne dis pas ça. Les choses iront certainement mieux. Je ne sais pas quel est le problème, mais ta famille, tu sais. Mais ça va. Ok, ça va, tout ira mieux très bientôt. Je te promets, tout ira mieux bientôt. Ok? Merci. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas quelque chose pour lequel il faut pleurer. Ok? La vie nous présente beaucoup de difficultés, mais ça va. Ok? Monsieur, je dois attends, partir. Attends. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, monsieur. Merci, merci, merci beaucoup. Ok. Donc tout ce que je peux faire pour elle, je peux le faire pour toi aussi. Juste comme pour elle. Okay. Au revoir. Prends-soin de toi. Tu vois,
Je pense que nous devons leur faire quelque chose. Ok. Cherchons quelque chose à leur envoyer, aussi petit soit-il, afin qu'elles n'aient pas que mendier dans les rues. Hey! Tu comprends? Ici, c'est de quoi? Les aider à distance, non. Je pense que nous devons les amener ici. Oui, les amener ici pour qu'ils vivent avec nous. Vivre avec nous? Oui, mon amour. Mais ça, ce n'est pas conseillé. Oui. Tu sais très bien qu'elles ne sont pas nos enfants biologiques. Donc, nous ne pouvons pas les amener dans notre foyer comme ça. Hein? Et quoi si quelques membres de la famille arrivent demain? Ah. Tu sais, ces choses apportent les complications. Et de plus, les dépenses ne me seront pas du tout faciles. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein? Ce ne sera pas de trop. Écoute, la seule différence ici, c'est si nous avons l'habitude de préparer 5 verres de riz, nous devons ajouter 2 à cela. Oui! Juste 2 verres à cela. Ok, s'il te plaît, réfléchis à cela. Tu sais que ce sont des filles. Hein? Et il n'est pas avantageux de les laisser vivre toutes seules. Oui. Je pense qu'elles ont besoin de nous. Hein? Elles ont besoin de nous en tant que figure de père et de mère. Pour les diriger. Oui. Et nous avons des filles dans cette maison. Hein? Elles vont facilement s'entendre. N'es-tu pas d'accord? Chérie, s'il te plaît, non. Tu as touché. Non, tu as touché. Tu as touché. Non, j'ai touché ceci. Non, donne-moi. Elle doit jouer au Ne la jette pas, elle compte. Attends, tu as vu, je t'ai dit qu'elle comptait. Attends, tu danses. Maintenant, je vais la supporter. Non. Ah, regarde. Non, tu mens. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais ici. Calme-toi. Deux étaient ici et j'ai pris et je les ai mis ici là, tu vois. Oui, après, oui, c'est... oui. C'est oui. Je suis. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Je ne sais pas, oh. Je ne sais pas, mais elle a mis deux ici là. Comment tu peux mettre deux? C'est... Ce n'est pas moi qui va mettre. Je n'ai pas mis deux, si je mettais deux, je l'ai perdu. Oui, tu l'as regardé, n'est-ce pas? Je ne mens pas. Non. Ok, laisse-moi garder dans ta maison. Laisse-moi garder dans ta maison. Arrête ça. Ça va. Mais attends, oui. Mais c'est ce que je te disais, j'ai pris chez toi. Pourquoi tu penses chez moi? Tu ne peux pas chez toi. Ok, je t'emprunte. Je vais te rembourser quand j'aurai ma case. Ne m'interromps pas. Et tu vois où tu commences. Elle est en train de gagner. Ah, content pour toi. Attends, tu ne peux jouer plus que ça. Attends, laisse-moi t'aider à ranger. Attends, non. Ah, j'ai même pris deux cases. Hey. Attends, je vais te gagner cette fois-ci. Merci. Ah, mets là. Oui. Très bien joué. Tu as gagné, non? N'est-ce pas, tu as gagné. Pitié. L'école est petite, on a mis beaucoup de plantains, non? Tu sais qu'on se debout. Benabo, c'est quoi le problème? Je reviens juste de la cuisine. Pourquoi n'as-tu pas mangé ton repas? Maman, je n'ai pas faim. Tu devrais avoir faim, non? Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Ok, je n'aime pas le haricot avec le plantain. Je n'ai jamais aimé ça. Hey. Désolée, ma fille. Hein? Tu sais comment nous gérons dans cette maison. Hein? Essaye juste de manger un peu. Je te le promets, à partir de demain, je vais préparer ce que tu aimes. Oh? Bikono, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman, ne t'inquiète pas, je vais me trouver quelque chose. Te trouver quelque chose? Maman, ne t'en fais pas, je vais lui parler. Ne t'en fais pas, je vais aller lui parler. Elle veut se trouver quelque chose. Elle veut se trouver quelque chose. From ma bonne. Mais où allons-nous trouver de l'argent? Hein? Ivy. Bonjour. Désolée de te déranger. C'est juste que tout le monde est dehors en train de travailler, même maman et papa.
même les deux petits-enfants. Je viens juste de finir de laver les toilettes. Est-ce que tu peux venir m'aider à laver la maison? Grace, c'est pourquoi tu es venue me réveiller? Désolée. C'est juste que tu agis n'importe comment. C'est comme si je ne te parlais pas. Tu vas te reposer. Ce n'est pas comme si tu n'allais pas le faire. Et aujourd'hui, c'est samedi. Maman et papa sauront que tu ne fais rien. Et c'est embêtant. Grace, je ne peux plus dormir dans la maison de ton père. Mais pourquoi tu te comportes ainsi? Je ne peux pas dormir dans la maison de ton père tranquillement. Ce n'est pas bien, non? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je hais quand quelqu'un vient me réveiller. Je hais cela. Je n'aime pas tout ceci. Je n'aime pas. Ah! Désolée, c'est juste que ce n'est pas juste. Regarde comment tu parles. Qui a dit que c'était la maison de mon père? Hein? Je n'aime pas ta façon de faire. Ce n'est pas bien. Ne t'en fais pas. Où sont les autres? Obinabo? Ils sont sortis. Oh. Et pourquoi n'as-tu pas allé avec elle? Parce que je ne me sens pas très bien. Tu ne te sens pas bien? Mais je t'ai vu le matin. Tu étais très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, donne-moi la nourriture. J'ai faim. Je veux manger. Ça te fait mal. Depuis, maman. Doucement, maman. Désolée. Maman. Ah, ah, qu'est-ce qu'il y a? Avertis, Obinabo. Ah. Elle exagère déjà. C'est quoi cette bêtise que tout le monde travaille? Elle est tout le temps couchée. Ça lui a trop dur. Tu as bien Est-ce fait. Est-ce parce qu'elle est âgée? Binabo, fille, elle est toujours comme ça. Vas-tu elle est paresseuse. Tais-toi et occupe-toi de tes affaires. Maman, l'autre là, ne lui dis pas de fermer la bouche. Es-tu vraiment sûre qu'elle se sent bien pour que tu te plaignes, hein? Maman, elle va bien. Non, ouais, elle va bien. N'oublie pas que cette fille est ton amie, oh. Ou alors as-tu oublié le jour où tu étais ici à pleurer, parlant à ton père à moi d'elle, hein? S'il te plaît, c'est une orpheline. Et peut-être serait-elle en train de traverser des troubles émotionnels. Maman, oui. Elle ne traverse rien du tout. Cette fille, elle prétend. Avant que Obinabo et sa soeur ne viennent dans cette maison, tu faisais déjà toutes choses. Va juste à l'intérieur. Fais ce que tu peux faire et laisse le reste. Après, tu vas les finir. En fait, si tu es fatiguée, va juste à l'intérieur te coucher. Quand je vais finir avec sa tête, je viendrai faire le reste. Laisse-la se reposer. Oh, je regarde même pourquoi j'ai lavé ses habits. Parce que ce sont ses habits que j'ai d'abord commencé à laver. Pourquoi tu lavais ses habits? N'est-elle pas plus âgée que toi? Une fille très méchante. Vas-tu fermer ta bouche? Je ne t'en veux pas. Parce que je suis ici et ton père est là-bas. Ne sais-tu pas qu'elle est une orpheline? Si quelque chose arrive à cette fille,
Je vais couper tes cheveux. Ah non, Fia. Dois-je même laisser cette tête? Maman, je suis désolée. Je suis désolée. Bouti Sigaba, Siali. Désolée, maman. Merci, maman. Aibi. Tu as le cœur haut. Un homme marié. Et si sa femme t'attrapait? Ah, Jindla. Celle-là ne peut même pas. Hein? C'est tellement stupide. Tu es courageuse. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Grace? Tu es tellement soumise à ton père et ta mère. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est juste un mou. C'est tellement simple. Hey, toi, il paye par me donner une maison. Me louer une maison. Pourquoi tu refuses? C'est une mauvaise chose. Il va me louer une maison que Alia et moi allons habiter à l'intérieur. Et je lui promets de donner en retour quelque chose. C'est sûr, tu veux l'épouser. Mais c'est un homme vieux, non? Tu m'as dit qu'il était vieux, non? Tu es tellement stupide. Comment j'ai épousé un homme marié? Comment je peux épouser un vieillard? Regarde-moi. Tu ne veux pas l'épouser, mais tu prends ces choses. Cet homme va te maudire. Ce n'est pas vrai. Ah. Ça va retomber sur lui. Et rien, et il ne peut rien faire. Ces faits ne peuvent même pas m'égratigner. Ce n'est pas possible. Je te le dis, les gens vieux vont t'envoyer les mouches. Si on t'attrape. Je m'en fous, ma soeur. Je suis là pour m'amuser et dès que je vais finir de m'amuser, je m'en irai. Vite. Je ne suis pas là-dedans, oh. Sache juste que les gens vieux vont te maudire. En fait, cet homme peut avoir les enfants. Qu'il soit vieux ou pas, il va t'envoyer les mouches. Il ne permet pas à cet homme de te maudire. Il n'est pas si vieux. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que j'essaie de te dire. Écoute, cet homme, je prends chez lui. Et il récupère aussi sur moi. C'est vraiment stupide de me demander de laisser. Ne suis-je pas assez... Ne suis-je pas assez grande de faire ce que je veux? Attends. Je t'ai dit. Ha. Il n'est pas si vieux. Laisse. Il n'est pas si vieux. Laisse. Il va te maudire. Il a les enfants. Il va te maudire. Nous tous, nous sommes ses enfants, non? Donc, ça veut dire que... Hein, les enfants prennent l'argent chez les pères. Et moi, je prends l'argent chez Mougou. Je t'ai averti. Seigneur, toi-même, tu vois. S'il te plaît, recule-toi. Allô? Tu as changé de chaîne, non? S'il te plaît, je ne veux pas les problèmes. Grace. Tue-moi, non? Tue-moi parce que j'ai changé la chaîne dans le salon de ton père. Tue-moi une fois. C'est ton affaire là-bas. S'il te plaît, donne-moi la télécommande. Je ne veux pas les problèmes. Et c'est moi qui ai envie des problèmes. Moi, Ebunabo, je veux regarder la télé. J'en ai déjà marre de te supporter. Dieu merci parce que maman n'est pas là. Si tu m'essayes ce soir, je vais te battre correctement. Donne-moi cette télécommande maintenant. Ebunabo. Grace. Essaye-le. Et tu chercheras ton corps dans la tombe. Ok, tu m'envoies en enfer. Toi comme tu es là, tu m'envoies en enfer. On va voir qui ira la première. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, laisse-moi! Maman, laisse-moi! Quel est le problème? Maman, je ne peux plus supporter! Comment quelqu'un peut venir dans ma maison et faire n'importe quoi? Quel est le problème? Qu'y a-t-il? J'étais en train de regarder la télé. Calme-toi. Tu devais bien la taper. Vas-tu te taire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fatiguée que tu la déformes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là en train de regarder la télé. Explique-moi ce qui s'est passé. Ne crie pas. Papa, j'étais là en train de regarder la télé. Elle est venue. Premièrement, elle a levé mes pieds du fauteuil. Je n'ai rien dit. Et puis, elle a pris la télécommande et elle a changé de chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais la télécommande. Ça va. Elle ment. Toi, écoute-moi. Cette fille est menteuse. Écoute-moi. Voici la fille que tu as amenée dans ta maison pour avoir la paix d'esprit. Tu as très bien fait de mettre mon sujet. Tu es une pauvre petite fille. Commencez déjà pas à avoir le problème de
de télécommande. Parce qu'il a changé de chaîne. Où est le problème là-bas? Hein? Que ça... Papa, elle fait toujours ça. Oui. Te taire, je te parle. C'est de l'injustice. Reviens, je te parle et tu t'en vas. Tu t'en vas pour toi. Tiens-toi debout là-bas. Elle veut seulement tuer ma grande soeur. En fait, tu vas quand même. Elle sortira dehors maintenant et me pour dire que ma famille est mauvaise. Ne peux pas accueillir. Non, 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 non. Bébé, ne peux qu'elle pas le mal accueillir. Non, c'est le mauvais. Je suis en train de crier. Allez juste à l'intérieur, j'arrive. N'est-ce pas, vous la supporter? Je vais supporter. Je ne peux pas accueillir une orpheline. Hey! Regarde hey. La petite fille qu'elles sont en train de maltraiter. Chérie! Hey! Ce que tu viens juste de faire était mal. 100% mal. Comment? Ah ah! Regarde ce que tu viens de faire. Même quand ta propre fille voulait s'en aller, tu lui as demandé de revenir. Mais quand cette fille voulait s'en aller, tu n'as rien dit. Tu n'as pas compris ma réaction. Non, elle est une pauvre orpheline et nous l'accueillons. Les bergères, elle est orpheline, orpheline, wigeba, orpheline, wigeba. Et tu sais pas quoi, il est dit, réseigné, Kenny. Hey, tu n'es qu'un naïa, Kenny, Mao. Je ne sais pas, vous les femmes, je n'arrive pas à comprendre votre vie. Je ne comprends pas. Vous ne voulez pas laisser la pauvre orpheline se reposer. Parce que ma soeur jumelle, ma soeur jumelle était aussi morte et presque nue. D'abord j'ai fait un vœu. J'ai fait le vœu de ruiner ta vie. Rendre ta vie invivable. Que tu n'aies pas de paix. Pour toute la douleur. Pour tous les dommages. Pour toute la cruauté que tu as montré à ceux qui étaient bons avec toi. Pascal, je suis désolée, chérie, assois-toi. Je suis désolée. Assois-toi, Rebecca. Lève-toi, lève-toi, ma fille. Assois-toi. Assois-toi, ça va aller. Odogo Yanya. Odogo Yanya. Asingi fe. Ok, nonane. Wefu. Nandi wabumwata. Gleli glelouenu. Ne mafia. Je me suis plainte. Je me suis plainte de cette fille de Calabar. Elle m'a dit qu'elle est ça. Quelqu'un que je ne connais pas bien. Je le savais. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Chaque jour, je dis que cette fille veut tuer mon fils. Et c'est comme si je m'amusais. Je t'ai dit que la cabine de cette voiture était vide. Est-ce que tu peux comprendre maintenant? Les yeux sont-ils clairs? Elle est vraiment une mauvaise fille. Quand je me plaignais à cause de cette mauvaise fille, tu as insulté ta propre mère qui t'a portée pendant 9 mois. Je t'ai nourrie seule après la mort de ton père. Tu entends? La cabine de cette voiture est vide. Il n'y a personne. Ma fille, regarde ta mère. La maman que tu n'as pas, je suis là pour toi. Arrête de pleurer. Tout ce que je voudrais que tu me fasses, une seule chose, pardonner et oublier. Je sais que ce sera très difficile pour toi de pardonner, mais tu vois le pardon, c'est ce que je voudrais que tu aies en esprit.
pardonne à cette fille. Au moins Dieu t'a béni. Avec ça, les enfants. Une seule fois. Mais juste une fois. Avec les enfants. À cause des enfants qui ne sont pas encore nés, pardonne à cette fille. S'il te plaît. Pardonne. À cause de mon fils, qui ne sait rien, pardonne-la. Oh, s'il te plaît. Qu'il y ait la paix. C'est à mon fils de savoir quoi faire. Mais à partir de ce que tu viens de nous dire, il saura quoi faire. L'Éternel est ta force. L'Éternel est ta force, ma fille. Hein? S'il te plaît. S'il te plaît. Dans la cabine de cette voiture-là, il y a les gens. Oh, Biko, ça va. Ça va. Ça va. Hein? Je suis. Je suis sincèrement désolé pour tout ce que tu as subi. Sûrement, je n'imagine pas le mal que tu as subi. Mais le fait a été fait. Et comme maman l'a dit, cherche dans ton cœur comment pardonner ma femme pour ce qu'elle t'a fait. J'imagine que la foi, je suppose que le destin a déjà tranché de lui-même. J'aime toujours ma femme, Denis. J'aime toujours ma femme énormément. Tu es libre d'accoucher le bébé. Après que tu aies accouché, alors on verra par la suite quoi faire. Je ne vais pas abandonner ma femme pour toi. Mais on pourra toujours. On trouvera un moyen d'élever les enfants ensemble. Je t'aime. Je t'aime. Est-ce que tu as même compris l'histoire qu'elle a racontée? Hey, je le savais, elle t'a ensorcelée. Enchanté, mon fils. Je dis, hein. Une voiture vide, hein.